Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippy, la chaîne des aventures vidéoludiques. J'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui hein, toujours pareil, on est toujours sur Elden Ring. On devait réussir à fouiller, à finir de fouiller le plateau d'Altus, là on avait fait le tour. Et là j'allais attaquer ça, et puis plus tard on verra si on peut... peut-être aller se taper aussi le manoir du volcan. On va déjà commencer par ce secteur-là. Voilà, bref. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ces vieux ennemis? Non, c'est pas ceux qui tirent des espèces de boules d'énergie, là, dégueulasses. C'était à Lurna, justement, Lurnia. Bon, on va s'occuper déjà, voir ce qu'il y a sur les remparts. On ira voir en bas plus tard. De la Viperia. Putain. Il est pas arrivé, il a essayé de me gerber, je sais pas quoi dessus. On mange du poison. Il m'a mis cher en un coup. Ouais, tu vas te calmer, t'as. Je joue à la magie. Ouais, compliqué d'esquiver dans un couloir. Hein. Chef de parfumeur déchu. Donc à cet endroit-là. Et pantalon de parfumeur déchu. Alors. Ressemble à quoi déjà son truc? J'ai loupé. Attendez. C'était peut-être un casque, non? Tellement la mémoire qui fout le camp, je me rappelle même plus ce que j'ai récupéré. C'est qu'il y avait des jambes. Alors, on va aller voir les jambes d'abord. Il est où? Voilà, c'est ça. Parfumeur, pantalon de parfumeur déchu. Ouais, il me semble bien que... Non, c'est ça. Ouais. Bien que c'était une tenue. Ah non, c'était ça, putain. N'importe quoi. Ouais, j'ai bugué, j'ai cru que c'était un haut et des jambes, mais en fait, c'est un corps au chef. Ouais, il a une protection magique un peu meilleure, mais niveau physique, c'est de la merde. Plein de limaces sur les murs. Merde. Ah,
tableau là, récupérer. Ouais, bah, je pense qu'il va falloir passer comme ça, c'est juste que j'ai loupé mon saut. Pour louper. Possible, ouais, faut passer par là. Donc ouais, c'était pas possible de passer par là et monter l'escalier. Voilà, parfait. Ah bah oui, c'est vrai que je peux pas ouvrir la carte vu qu'il y a des ennemis. Ah là là, bon, on va s'occuper d'eux. Sur le rempart pour montrer le chemin à prendre pour aller récupérer le tableau. Voilà. Yes. Je sais où il faut aller en fait. J'ai déjà repéré l'emplacement. Champ du champion. C'est là où il y a la tombe du héros canonisé. Ce qu'on voit en arrière-plan là, c'est la tombe du héros canonisé. Du coup, je vais juste finir de fouiller là. Et puis après, on se téléportera là où il y a le tableau, justement. C'est quelque chose d'utile ici. On n'a pas de rune dorée. Ouais, donc il y a plein de ce côté. Alors bon, du coup c'est cette tombe là et normalement c'est juste au-dessus. C'est là où j'avais éliminé le dragon ancien, l'Inax, un truc comme ça. Je sais pas comment il s'appelle. Des ennemis ça. C'est pas sur l'espèce de petit piédestal là qui est à gauche. Non. Peut-être au-dessus.
l'impression que c'était par ici. Barre drapée en cuir, de cuir. Ouais, c'est juste une variante de celui-là, quoi. Du coup, j'ai sûr que c'est là, hein, mais bon, j'ai pas encore trouvé le siège. C'est toujours ce problème du tableau, on peut pas l'ouvrir assez grand, je trouve. On n'arrive pas à bien voir le tableau dans le menu pause. Qu'il y en a un qui est un peu plus loin aussi. Cet angle, putain, c'est pas croyable, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être pile au bon endroit, quoi.
Après, c'est peut-être un autre tombe, une autre tombe, mais c'est pas possible. On n'a pas d'autres des tombes de héros dans le coin. Avec un angle de vue qui permet derrière de voir les structures là-bas au fond, là, les pics. On voit bien justement sur le, dans le, la peinture. Là, on voit bien en arrière-plan tous les pics. À gauche, il y a la tombe. Avec les grands arbres derrière qu'on voit. C'est sûr et certain que c'est ici, mais alors où exactement? Barrage. Ouais, rien de particulier quoi. Juste le design qui est chelou. Les troubadours chantent les récits. C'est fou. Cet arc émet des accords lorsqu'une flèche est décochée. Voilà ce que c'est que la particularité de cette arme. Bref, bon, on s'en fout. On va retourner explorer. On parle du bastion. Alors. Ah bah oui, tiens. Bon, je vais me poser sans me soigner, je vais pas partir comme ça. Voilà, bon du coup je vais aller voir en contrebas parce que de toute façon les remparts j'étais allé voir des deux côtés. Après je pense qu'on n'a pas fini de les fouiller les remparts. Mais... je peux faire apparaître. Ouais, c'est bien ça, celle qui utilise la cloche mon esprit. Ouais. C'est par ici.
Petite clé, lame de pierre. Attendez, j'y arrivais. Ouais, bon, bah voilà, du coup, on a pu récupérer ce truc. Par le côté là. Oh non, pas eux. Avec leur mal mort de merde. Et putain, je suis empoisonné. Après la mal mort, je peux la soigner normalement. Et comment je peux les rejoindre là-haut? Bah, mais je m'embête à vous rejoindre. Je vais me casser au même moment. Merde. Au moment où je monte, il descend. Au moment où je descends, il monte. Vraiment à rien ces trucs. Bon, dans la maison, je pense pas qu'on puisse y aller. Ouais, bah du coup, je pense que j'ai fini de fouiller ce secteur-là. On va essayer d'aller jusque là-bas au bout. Faut que j'entends. Un ennemi sur les remparts, tu vois. Bon, voilà. Rien d'autre. Demande.
monter sur les remparts par là aussi. Soigné, putain. Ah putain, il m'a attrapé. Non. Se soigner, elle n'a pas eu le temps. Ouais, bon bah voilà. On a fini de nettoyer ces remparts jusque là. L'autre côté on l'avait fait aussi. Il reste un petit bout entre les deux là. Je sais pas s'il y a moyen d'y accéder. Chose d'ici. Que dalle. Ouais, je sais pas comment on y va. Si on peut y aller. Ah ouais, bon du coup on va finir tout la zone inférieure là. Il y a une échelle en face là aussi pour monter. Ah, c'est ces trucs que je supporte pas. Là. Alors, reste en bas. À explorer le rempart là. Je
pensais qu'ils avaient foutu un ennemi derrière les tonneaux, mais non. Qu'elle projette. Allez, c'est bon là avec ton nuage de merde. Ouais, c'est truc écarlate. Bon voilà, comme ça moi je suis sûr d'avoir bien fouillé de partout. Je vais aller voir au-dessus. En fait, c'est un chemin pour pouvoir rentrer ici. Ok. Ça marche. Bon, bah, du coup, alors tout ce qui est extérieur des remparts, je fouillerai plus tard. Hein. Pour l'instant, je m'occupe de ce qui est à l'intérieur. On est sur le château. Là. Qu'il y aura un ennemi pour m'attaquer et me surprendre en bas. Je pensais pas que ce serait un 2, je pensais que ce serait un. Comment ça s'appelle ceux qui ont une tenue là. Qui m'envoient des espèces de la poudre qui s'enflamme. Ok, donc après il y a toute la partie intérieure à fouiller là aussi. Je vais finir les remparts. Putain.
deux fois de suite, quoi. La deuxième fois, j'ai réussi à esquiver. Un troisième. Ah, par contre, c'est un gros ennemi. Fort heureusement, il est très lent. Tellement lent que je l'ai défoncé en deux secondes. Prothèse de Valkyrie. C'est un objet clé. Et on va voir ça. Ça doit être un truc à remettre à quelqu'un, je pense. Prothèse dorée utilisée par la Valkyrie mutilée. Une merveille de savoir-faire qui, avec de l'entraînement, peut être utilisée avec autant d'efficacité qu'un vrai bras. Quand Malaïd Tourbier, seigneur du Bastionbre, adopta cette prothèse, il affirma sentir la présence de sa propre déesse. Ok. Bon bah voilà. Bah lui, tu m'as déçu, toi, là. J'en suis en plus qu'il loot des trucs plutôt pas mal. Du coup, faudra peut-être revenir plus tard, l'enchaîner un peu, en fait. L'éliminer plusieurs fois pour essayer de récupérer son matos. Parce qu'il avait l'air pas mal, l'armure qu'il avait. Et puis aussi les armes. Il avait une espèce de lance là, puis il avait une épée aussi. Ah, en bas, il y a un cavalier machin. Spectral. Voilà, bon, du coup, on a fait le tour, je pense. C'est lui qui a absolument récupéré le truc qu'elle a. Ouais, j'ai plus de magie aussi. J'aurais bien voulu le tuer de loin avec la magie, le temps de saut. Hein. Ouais, puis moi, le truc qui est là-haut, je pense qu'il faut y accéder par là-bas. Alors, on va continuer d'explorer en dessous. J'allais dire, j'aimerais bien trouver un site de grâce. Ben voilà, il suffisait de demander. On va pouvoir faire le plein avant d'aller explorer en dessous. Je vais... Non. Passer la journée aussi. L'explorer de nuit, c'est quand même pas terrible. Voilà, à midi. C'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Juste une échelle, sinon. Ça va, oui. Ah, mais il m'a rattrapé encore. Ah, j'avais de la blague. Non, non, tu m'auras pas trois fois. J'ai eu deux fois, ça. Voilà. Bon, on va se faire l'autre d'ici. J'ai envie d'aller marcher dans le poison. Hein.
Je vais soigner le poison déjà. Dessus, j'aurais pu me laisser tomber en contrebas aussi sur le muret. Je sais pas s'il y avait quelque chose d'utile. Avant, c'est dans le bâtiment qui est couché là-bas, de petite cabane en bois là. Je sais pas si on peut rentrer dedans. C'est quelque chose d'utile à l'intérieur? Non, que dalle. Ok, bon ben ça sert à rien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais monter à l'échelle là-bas. On va aller voir le rempart là-haut. C'est les remparts qu'on a déjà explorés. Flacon de parfum. Bon, après je le marque parce que je me dis que ça peut toujours être utile. Peut-être pas pour moi, mais pour d'autres joueurs qui utiliseraient ce genre de truc. Que dalle. Ouais, on va remonter au rempart et puis je vais aller voir au fond. Maintenant qu'on a fini de fouiller la zone en bas, là. Salut les parfumeurs. Ah, bien, merci. Ils sont tellement cheatés leurs attaques là avec l'espèce de poudre explosive. Là. Quand on est pris dedans que ça nous pète dessus, ça nous fait trop mal quoi. Merde. Déjà là. Il s'est soigné, là.
il s'est soigné aussi. Je vais me re-téléporter un peu rapide. Bon, du coup, ce que je vais voir au milieu, peut-être aller voir là-dedans aussi. Par là, lui. La maison dormier est en ruine. Tout ce qu'on met dans ses bras. Puis, détonnant à ce que l'imbécile soit pas de notre épée séculaire. Ouais. Ouais, bon, bah, du coup, on va monter par là et voir ce qu'il y a sur le rempart. Il est revenu à la vie à Batsu. On a là-dedans des ennemis. L'enfoiré. L'autre, il a attiré mon attention pour que je rentre. Et l'autre, il était au coin pour me frapper quand je passais. Chelou sur les statues là-bas. Ouais, c'est le lierre en fait qui monte sur les statues. Ouais. Bon, du coup, on va explorer l'étage. Petit manuel de parfumeur numéro 2. Numéro 2, celui-là. Diffuseur de poison et arôme bouillissant. Ok, donc en bas il y a juste une place avec des ennemis, c'est tout. Il y va l'autre là-bas. Je viens de le voir lancer une attaque tout seul. What the fuck. Allez, on va essayer de se le faire. On va voir un peu ce qu'il donne avec la magie. De la magie. Heureusement. Ah voilà. Après, ça me touchait.
J'allais dire, malheureusement pour lui, à chaque fois, ses attaques tapent les bords, en fait. Il a fini par réussir à me toucher. Y a rien en dessous. Genre, vous l'avez vu, j'ai pas réussi à esquiver. Aussi. Y a l'autre qui est tout bugué derrière les statues là. Et moi j'arrive à te toucher, c'est con. Hein. Je peux le toucher. J'ai réussi, mais j'arrive plus. Il se mettait en garde, c'est ça? J'avais l'impression que ça bloquait quoi que ce soit, ça garde. Faire le ménage apparemment. Fasse gaffe parce qu'ils peuvent encore avoir quelques ennemis qui se planquent derrière des statues. Ils vont bondir dessus en passant. Ça mène ici. Donc il y a moyen de venir ici par en bas. Ah, un monte-charge. Ouais, il y a le boss là-bas au bout. Ben on va laisser le faire. Que je me casse. Oui. Ah d'accord. Ok. Et le maire du roncier. Il m'a attrapé avec un sort là pour m'attaquer. Que ce bordel. Son épée. Mais.
coup, il m'a juste surpris en fait avec son attaque. Alors, du coup, c'était le boss de ce château, le bastion. J'ai récupéré l'épée d'exécution des tourbiers et le pavot des rondes. Alors, voyons voir. Elle est où cette épée des tourbiers? Ouais, ça a l'air d'être une grosse arme. Vraiment que je me débarrasse de tout le bordel que j'ai. C'est trop cher, j'ai plus où trouver les trucs. Bon, on va déjà regarder le bouclier, donc c'est ça, le pavois des ronces. Son attaque c'est coup de bouclier, donc c'est classique. Ah, voilà ça. Épée d'exécution des tourbiers, donc c'est un espadon. Et son attaque, compétence unique, épée dansante Deocade. Deocade, je sais pas comment dire. Vous insufflez de l'énergie dans l'épée, puis la lancez à un projectile tourbillonnant. L'arme continuera de tournoyer, infligeant des dégâts continus. Chargez la compétence pour accroître la portée du projectile, la durée du tournoiement. Ah, sympa. Ah, bah, c'est ce qu'il a utilisé sur moi qui m'a mis bien cher. Rien d'autre intéressant dans ce manoir. Que non. Ouais, bon, du coup, je vais retourner là. Je vais aller fouiller en dessous là. Où il y avait le cavalier là. J'ai vu qu'il y avait un truc à récupérer par terre. Je peux passer un niveau ou pas? Ouais. Allez hop, continuer comme ça. Eh bah oui, forcément. Avec ces machins, ils se téléportent de partout là. Ils font des bons géants. Voilà, comme ça là. Il m'a même tapé alors que je suis sur l'échelle. Quelle saloperie, Cédric. Allez, tu peux prendre de la magie un peu là. Tiens, gentil cadeau. Petit off sur les sortes de magie dans ta gueule. Petite offre promotionnelle. Arrête de vouloir te cacher là, t'es morte. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Bon, à lui maintenant. Se peser. Ouais, d'accord. Pas terrible. Ouais, bon, bah, du coup, je pense qu'il n'y a rien d'autre là. Ouais, puis le château, je pense qu'on a fini de le fouiller. Hein. Du coup, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est fouiller un peu l'extérieur, là, tout ce côté. Ce côté-là aussi. Allez, on est parti. Ouais, il me semble pas qu'il y ait d'autres zones que j'ai pas visitées. Bah, d'ailleurs, je crois qu'on avait déjà un peu fouillé ce côté-là.
il me semble que j'avais déjà regardé ce côté quand on est arrivé dans ce secteur. Comme ça parce qu'il a l'ombre des montagnes. Ouais, bon bah voilà, rien du tout de ce côté. Salut les casse-couilles. Heureusement que notre monture est insensible au poison. De lumière stellaire. Bon, du coup, il reste à regarder en face là. Il y a plein de statues détruites là. Je me demande s'il n'y a pas un boss dans le coin. Ah, bah si, il y a une statue. Récupérer une pierre de forge. Ouais. C'est étrange quand même. Rien d'autre à récupérer. Peut-être apparu suite à ça, suite au fait que j'ai éliminé la grosse bestiole. Ouais. On va essayer de se la faire au corps à corps parce qu'il est un peu relou. Golem, il était peut-être là pour m'embêter pendant que je la combattais, elle, en fait.
Alors, voyons voir ça. Masque de Torbière. Torbière, ouais, ça. Cet arc d'un double héritage fut tendance à des générations en qualité à la fois de bourreau et de châtelain du bastion. Ce masque représente le visage de l'or plus lointain dans cette. Drôle de tête. Et la tenue. C'est laquelle? Ouais. Voilà, une bonne défense magique, mais par contre, niveau physique, c'est pas top. Ton biais fut à ce point, blablabla, on s'en fout. Et donc, l'arme. C'est celle-là, rapière myrmicéenne. Avec accumule la putréfaction écarlate. Et elle a la technique empalement qu'on connaît déjà. On dirait une espèce de dard. Éperon d'une fourmi géante ayant été converti en rapière. C'est bien ça. Donc un éperon de fourmi. La lame soin de putréfaction écarlate. Et bah très bien. Voilà. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose d'autre à faire ici. C'était pas juste éliminer le golem à la con là. Ouais, bon bah du coup, je pense vraiment qu'on a fini de nettoyer le secteur. Ouais. Ouais, je pense qu'on a fini du coup ici. Alors du coup, on va... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je sais pas trop ce qu'on peut aller faire. Je sais, hein, j'ai plein de choses encore à faire, mais j'arrive pas à me décider en fait. Je vais peut-être aller faire le manoir. Ouais, allez, on va essayer dans le manoir. Bon, du coup, faut que j'accepte la requête de la nana. Là. What's this? Have you arising with? Very well. Your decision is most welcome. Now you belong to the Volcano Manor family. The drawing room lies down the hall. Make yourself comfortable. Yes, la clé du salon nous donne Tanitz, propriétaire du manoir. Qu'elle me dit d'autre. D'accord. J'ai le droit de faire comme chez moi, elle a dit. Alors, normalement, on est censé pouvoir ouvrir toutes les portes. Encore des parfums. Bien là, elle. Et puis il y a du monde aussi.
doigt de réfractaire. C'est quoi ce truc? Alors. Essaie d'envahir le monde d'un autre joueur. Ah mais d'accord, lui il est en usage illimité en fait. C'est la même chose que ça. Sauf que lui on peut l'utiliser à l'infini. Ah, lettre du manoir du volcan. C'est ça le délire de... On reçoit en fait des lettres qui nous disent d'aller assassiner telle ou telle personne. En fait. Manoir du volcan. La lettre elle est où? Requête du manoir. Voilà. Requête écrite du manoir du volcan indiquant le nom d'un sans-éclat à traquer. Isvan, le vieux chevalier. Vous le trouverez en écran limbe, la marque rouge sur votre carte indique sa position. Non, il y a une marque rouge en écran limbe. Ah voilà, ici. Ouais, donc du coup, moi je sais où est-ce qu'il faut que je n'aille pas. Parce que je veux pas les tuer. Hello again, brave tarnished. Do you remember me? I am Raya. Je me rappelle de toi. We spoke once in Lyurnia. I am pleased that we meet again, here at the Volcano Manor, under Lady Tanith's guidance. May you tread the path of valor. Brave tarnished, under Lady Tanith's. Et lui, il me dit quoi? What in heaven's name are you doing here? The Volcano Manor is a pit of recusants who spit at grace and hunt our own kind. I hope you understand the weight of my words. Tout à fait. Well, as long as you understand what you're saying. I thought you were tarnished, bred by virtue. Perhaps playing that part led you to your doubts, I wonder. But know that the path you walk is blasphemy. And leads only to a miserable death. Ouais, c'est pour ça que je vais pas vous suivre cette voie. Think on that. Je ferai ça lors d'une autre session. Moi, dans d'une autre partie, quoi. Voilà, là on a Dialos aussi. Bah, qu'est-ce que tu fous là? So you've been invited as well, I see. Then we're comrades in arms henceforth. You watch my back, and I'll watch yours. Yes. I can tell. You're wondering about Lanya. Well, you see, after much internal debate, I've come to realize revenge is not the answer. According to Lady Tanith, I've got the stuff of champions. And champions, ironic as it is, are oft forced to walk a tainted path. It hit me like a bolt from the blue. That my former thoughts were simple naivety. Of course my heart weeps for Lanya. That unfortunate incident was a cruel twist of fate indeed. But succumbing to the pain and sadness caused won't make me a champion, will it? Lanya knows this, I'm certain. Fate has laid hard roads for us both. But such is true of any road trod by champions. I always resented these hands. Their pale complexion, a far cry from any warriors. The shame of House Hoslaw, but that won't be the case for long. They'll be darkened by grit once I've set out on the path of champions. The tale of House Hoslaw is told in blood after all. I always resented their pale. Ouais, bon. Be the case for la même chose. C'est lol parce que je pouvais pas l'ouvrir dans l'autre sens en fait. Les portes elles s'ouvrent que dans ce sens là. Ouais, bon bah voilà. On a fini de visiter par là. On va aller voir l'étage là-haut. Il y avait une porte qui était verrouillée aussi. Non. Je dis des conneries. Ouais, non, c'est... Non, elle est dans l'entrée, la porte. Mais par contre, la porte, elle est fermée, je crois.
fermé de l'autre côté. Du coup, je vais faire comment pour aller explorer le manoir ? Ouais, c'est fermé de l'autre côté. Ah, mais c'est peut-être. Y a peut-être un truc dissimulé en fait. Peut-être quelque chose derrière un mur, je sais pas. Ah, je peux pas frapper donc. Je peux pas frapper. C'est que c'est pas par là. Le seul endroit où je peux utiliser mon arme, c'est à l'étage en fait. Sur tous les murs. Délire. Comment je suis censé pouvoir aller explorer ce château, ce manoir? J'ai accepté en plus la requête, alors j'espère que ça va pas foutre la merde dans l'autre quête. Je vais aller voir la table ronde, voir s'ils m'en veulent, que j'ai accepté le truc du manoir. Journey to the capital, Len. Tu m'as déjà dit ça. Ouais, ben non, il n'y a rien de plus. Praetor Rykard is the lord of the volcano manor on Mount Gelmir. He is a ruthless justice. The volcano, Mount Gelmir, it was the stage of the most of. Rykard has con. I asked you, be thankful it is all that keeps. Ouais, elle me saoule, elle a toujours répété la même chose. Elle. Mais du coup, ouais, je vois pas comment je fais. J'avais regardé sur le net justement pour voir comment on faisait pour accéder au reste du château, du moins du manoir. Non,
Et il fallait accepter la requête. Après, j'ai lu qu'il disait qu'il y avait un passage caché, apparemment, dans l'une des pièces, mais je vois pas où c'est. Pas du tout, c'est... Alors attendez, je regarde du coup. Alors, en ouvrant le premier, un passage secret derrière un mur illusoire se trouve au fond de la pièce. Ça me fait marrer que ça galère à recharger alors que je me téléporte au même endroit où j'étais. Pas vu toi là-bas. Ils attendent de me tomber dessus quand je vais revenir. Que le mur on peut le faire péter aussi. On doit amener à la première pièce qui était verrouillée. Alors c'était le 21 je crois. Au Atreyon. Voilà, c'est bien ça. Yes, Carman le parfumeur déchu. J'ai la parfumeuse Tricia. Maintenant j'ai Carman, le parfumeur déchu. Et cet objet pour le parfumeur déchu ne pratique leur art que pour servir leur propre intérêt. Ouais, s'en fout. Yes, bon bah voilà, du coup on a réussi à trouver le passage caché. Et du coup, pour y accéder, on était quand même forcé d'accepter la clé quoi. Et donc d'accepter de les aider quoi. Bah après il suffit de pas aller éliminer les sans éclats. On est obligé de lancer quand même la quête quoi. Ouais, je pensais qu'il y avait peut-être une porte à ouvrir sur le côté là, un mur à faire péter, mais en fait non. On va aller voir là-bas dessous. Thank you.
là. Bah, je sais pas comment il est pas mort là avec le deuxième coup que j'ai mis quoi. C'est quoi? Ah, je pensais que je l'aurais tué avec le deuxième coup, c'est pour ça que j'ai pas fait attention de me soigner. La blague. Oh putain, ah non, ça va. J'ai cru que le temps de chargement il était long. Mais ça... Comme c'était déjà arrivé dans une grotte là, le temps de chargement était super long pour rien. À trois reprises, j'ai demandé à ma perso de lancer l'attaque, compétence spéciale là. À chaque fois, elle faisait rien. Je sais pas pourquoi. Ouais, ridicule. Là, qui c'est là-bas au bout ? Someone, please kill him. That horrendous serpent, Traitor Rykard. You're tarnished, here to put the demigods to the sword. Then please, kill the great serpent, the one that devoured Praetor Rykard. I left the serpent-slaying spear in the Lord's chamber, worthy tarnished. Brandish the spear and run him through. The great serpent. That unspeakable monstrosity. Bah, de toute façon, c'est bien ce que je comptais faire. Praetor Rykard's ambitions, though blasphemous, marked him a worthy sovereign, but they were reduced to gluttonous depravity once he gave himself to the serpent. Whatever that thing is, it is no longer Praetor Rykard. Someone must kill him to spare him and his ambitions from further dishonor. Worthy tarnished. D'accord, donc il faut aller dans la chambre du seigneur pour récupérer la pourfendeuse. Lord's chamber. It is the only thing that can kill that horror. Run it through. The great serpent, that unspeakable monstrosity. Worthy tarnished. OK. Je m'en charge, gars, je m'en charge. Bon, par contre, je pense pas que j'aurai le temps de le faire sur cette session-là. Mais la prochaine, t'inquiète pas, je m'en occupe. Bon, allez, on va essayer de se débarrasser de lui, là, il me saoule. Bah oui. Le problème c'est que je vois que dalle. Ah, j'étais bloqué contre la barrière. J'essaye de reculer pour pouvoir me soigner parce que là dans la pièce, il... comment dire, vu les mouvements qu'il est capable de faire, en fait, il peut m'atteindre n'importe où dans la pièce. Donc je peux pas me mettre à un endroit, me planquer vite fait pour me soigner. Du coup, c'est pour ça que j'essaie de reculer, mais à chaque fois que je recule, je me bloque contre un passage de mur, une connerie. Thank you.
pense. Et débile, il arrive pas à rentrer là. Ah d'accord. Balle aux portes, ça. Ouais, j'ai pas réussi à le jouer avec un deuxième coup, hein, c'est bien ça. Bon, fallait 3 pour l'achever, quoi. Ah, griffe de limier. Une nouvelle petite arme. Alors. Il n'y en a pas beaucoup des griffes dans le jeu. Ouais, c'est la troisième qu'on trouve. Ouais, c'est celle qui fait le plus mal. Avec l'attaque, pas de chevalier limier. Vous rend temporairement invisible et vous permet d'esquiver les attaques avec vivacité. Permet de se déplacer plus vite qu'un pas vif ordinaire. Cette compétence peut s'utiliser pour tourner autour d'une cible verrouillée afin de la frapper dans le dos. Ouais, pas mal. Ok, il y a un chemin par là. Bon, je croyais qu'il y en avait un là aussi. Ben non. Petit site de grâce. Voilà, je pense que du coup c'est le début du donjon en fait réellement. Église de la ville carcérale. Bon, allez voir ça. Effectivement, il y a de quoi fouiller par là. C'est quoi ce monstre? De what? La smash. Oh, un peu le backstab en plus. Ouais, c'est une espèce de lézard en fait. Qui a la capacité de s'allonger. Bah, s'il faut fouiller tout ça, ouais, pour un moment. Ok. Non. Ah putain, c'est mon spectre qui s'est fait attraper. Eh, du coup, je peux pas la frapper quand elle est en train de bouffer. Mon collègue. Voilà, là je vais. Bien, bien.
Ouais, j'entends le bruit d'un bousier. Où il est? Ouais, donc toutes les portes sont condamnées. Des vieilles trucs de fer. C'est vrai que je vous avais pas vu là-haut. Tu vas me loquer les ennemis en l'air au lieu de loquer le chien. Hein. Sur pas trop ce genre de lieu. Il y a une dame de fer à l'intérieur. On a quoi? C'est un lézard, on dirait. Vas-y, mon spectre. T'es trop fort. Vas-y, achève-le. Vas-y. Allez, encore un coup. Ah, yes. Vraiment trop bien cet esprit, quoi. Impossible de l'ouvrir de ce côté. Ah merde, quand je m'éloigne là, ça fait disparaître mon esprit. Ouais, moi je vais aller fouiller tout seul. Pas vraiment comme si j'avais besoin de lui. Alors, sortir la magie. C'est quoi ces ennemis qui sont planqués au plafond?
de faire semblant d'être mort. Sur son chariot. Mais... mais t'es trop lent pour frapper. On peut sauter en contrebas. Le grand carreau explosif. Je pense pas que j'aurai le temps de fouiller tout le manoir sur cette session. Ouais, bon, mais du coup, là, on a réussi à atteindre la zone inférieure. Ce serait bien de se trouver un petit site de grâce dans le coin. Ouais, il y a des limaces de lave. Peut marcher dans la lave. Ouais, ça me fait même pas de dégâts, quoi, cette blague. Voilà, là c'est derrière où j'ai vu que je pouvais sauter en contrebas. On va aller voir par là. Il y a un truc par là. Bah non, il y a que dalle. Ça a l'air de servir à rien d'y aller. Sécher inifugé, ouais, c'est des trucs qui nous permettent de nous protéger de la lave, je pense. On peut monter par là. Bah voilà comment on va sur les toits. Sur le coup, j'avais pas vu que c'était un ennemi, je croyais que c'était un cadavre. Alors, on ira voir au-dessus après. On va fouiller en bas.
Il y a un autre dragon de magma là. Ouais, donc là ça nous va permettre d'aller le rejoindre justement. Ah mais si, ça me fait bien perdre de la vie. Ça va permettre de monter encore plus haut. Mais du coup, bah là, on est arrivé au-dessus. Je retente fouiller le bateau. Ah putain, le con. Tu veux m'empêcher de monter sur le tas, espèce d'enfoiré? Fais-moi le malin, hein. Bien. Magnifique. Là-bas aussi. Ouais. Je me demande bien comment on fait pour y aller. Il doit peut-être falloir arriver par au-dessus. Voilà, on a tout récupéré. Bon allez, on va croiser les doigts pour qu'en utilisant l'ascenseur là, ça nous amène à un site de grâce. Puis du coup après j'arrêterai là, dès que j'ai trouvé le site de grâce. Finir l'exploration et puis à l'élimination du boss à la prochaine session. Méchant là-haut. C'est assez étrange, il y a une plateforme en dessous. Ouais, il y a une plateforme qui mène à une grotte. Là, on est beaucoup trop. Si chaud, je vais mourir. Ouais, je pense que je vais mourir si chaud. Bref, bon, du coup, on va essayer de se faire l'ennemi. Hein. Salut, copain. Tu veux venir jouer? Viens jouer avec moi. Thank you.
si tu utilises des sorts, bien. Ridicule. Alors, jambière de moine de la flamme noire. Mais je l'ai deux fois le parfumeur déchu. Ah voilà, ça. Pas mal. Tout est qu'en positif. Sauf la focalisation, je perds un point, c'est pas énorme. Quant au niveau du poids, je suis plus loin. Mais je reste en charge moyenne, donc on va l'équiper. Merci gars pour les chambières de moine, c'est gentil. Tu peux reposer en paix maintenant. Il a l'air d'avoir un gros mécanisme là, ouais, c'est ce que j'avais vu d'au-dessus, j'avais vu qu'il y avait des chaînes qui allaient dans la lave. Ça doit être pour faire activer un pont en fait, je pense. Un mécanisme, ouais. C'est que c'est lourd. Ouais, c'est ça. C'est que c'est très lourd. Alors on se demande comment elles arrivent à monter juste avec des petites chaînes comme ça. Ouais, carrément, en dessous, il y a des cages. Ça veut vouloir dire qu'ils torturaient les prisonniers en les plongeant dans la lave. C'est bien. Il est incandescent, le pont. Ah voilà, ça rafraîchit. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un site de grâce là-haut. Y a cette église à visiter aussi là, mais j'ai peur en fait en rentrant dedans. Des ennemis. Il y a un boss qui se déclenche. Ah, voilà. Ah, non, pas lui. Ah, ça s'est refermé derrière moi, fait chier. Ah non, pas lui. Je le déteste. Je te déteste, toi, rentre chez toi. C'est trop cheaté, je vais pas te voir. Voilà. Gros enfoiré de merde. Je supporte pas ces trucs. Il m'avait déjà saoulé quand je l'ai affronté sur le pont qui menait à la tour divine de Liurnia. Mais voilà. Le pire, c'est qu'en plus, je l'avais affronté avec. La monture en plus. Donc, du coup, c'était quand même un peu plus simple, quoi. Parce que j'avais quand même la monture pour pouvoir me déplacer rapidement. Et là, apparemment, bah, le combat s'est enfermé dans une église avec lui. Donc, ça va être drôle. Enfin bref, gardez ça pour la prochaine fois du coup. De toute façon après il faudra aussi que je revienne par là. Ah mais non c'est bon, j'ai déverrouillé le pont. Ah donc j'ai bien fait d'activer le pont avant d'aller essayer de l'affronter. Ouais parce que du coup maintenant je peux y aller directement par là en fait. J'ai plus besoin d'aller faire tout le tour là-bas en dessous. Espérons qu'il n'y ait pas un ennemi qui apparaît sur le pont quand on passe. Bon, je vais aller, je vais retester une fois, vite fait. Avant d'arrêter la session. C'est pas ça que je voulais faire.
à récupérer mes trucs. Non, je veux que tu lock l'ennemi en fait. Je veux que tu fasses de la merde. Bien joué. Yes. Ça fait plaisir dans la session sur un combat comme ça. Alors, aiguille sancte chair et noble présence. Ah, toi t'as attaqué à la fin là, j'ai eu peur, il mettait des grands coups d'épée vers moi. Heureusement que mon épée est vraiment, c'est vraiment un truc de dingue. Du coup, épée d'estoc lourde, avec la technique empalement qu'on connaît. Aucun sujet n'atteindra jamais le niveau d'expertise que possédaient les nobles avec cette arme. Malgré sa taille, les attaques consécutives de cette arme sont aussi vives qu'un éclair. D'accord. Je peux la tester à la limite. Ah, c'est ça vous, pour vous un éclair? N'importe quoi. Allez, alors prendre mon petit croc de limier là. Ah, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Namnios de serpent. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est un objet clé, je crois. C'est ça. Sac amniotique d'un utérus, super, ayant porté une progéniture non désirée. Mais c'est super. On récupère de ces trucs dans le jeu, c'est dégueulasse. Ça serve perpétuellement son humidité et donc ne desséchera jamais. Ouais, donc du coup, faut peut-être Amnios qui, dans le ventre de sa mère, nourrissait la pauvre progéniture non désirée, fruit d'un rituel abject. Ça se trouve c'est le fruit quoi, d'un inceste, un truc comme ça. Là il y a un ascenseur pour aller voir l'étage au-dessus, mais on ira voir la prochaine fois. Je vais arrêter là pour cette session. Je vais pouvoir passer un petit niveau. Ouais, le sac amniotique là, je sais pas, faut peut-être le ramener à Renala en fait. C'est lié à ça, je sais pas. Ouais, il doit y avoir moyen que je passe encore un niveau. Alors bon, je vais le faire tout de suite, comme ça la prochaine session on n'aura pas besoin de se prendre la tête avec ça, on pourra direct partir faire le boss. Pourquoi c'est marqué Godric? C'est pas Godric le greffé? Il est toujours là le Ghostock, là, le gardien des portes. Voilà. Allez, on va prendre ça. Ah, non. Ouais, mais en fait, en vendant ça, j'aurais même pas assez. Combien qu'il me fallait? Ouais, du coup au final le combat il était pas si dur que ça parce qu'en fait j'avais l'arme imitatrice en fait.
contrairement au combat justement qu'on avait fait sur le pont ici, j'étais tout seul contre lui, donc c'était moi qui avais tout le temps l'aggro. C'est pour ça qu'il était un petit peu relou à toujours me foncer dessus, machin. Et là, le fait qu'il y ait eu l'alarme limitatrice, elle a bien récupéré l'aggro, c'était bien, bien cool, quoi. Du coup, j'ai pu lui faire, je l'ai enchaîné avec mon coup puissant, là. Vraiment trop mal ce coup, quoi. Il suffit... En plus, il est relativement facile à placer, donc voilà. Sans, c'est pas pour rien que j'utilise cette arme depuis le début, hein. C'est que c'est vraiment une arme qui est vraiment nickel pour ce jeu, quoi. Bref, bon voilà, du coup on a fini cette session. Prochaine, comme je vous ai dit, on finira de fouiller l'intégralité du manoir et puis essayer d'aller éliminer le demi-dieu. Et puis du coup, après par la suite, je pense que je retournerai en Kaelid pour histoire de finir tout le secteur là-bas. Et après, on se tapera la cathédrale, j'allais dire la capitale, Lendal, quoi. Donc voilà. Bref, écoutez, j'espère que cette session vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis du coup, on se retrouve demain pour la suite de nos aventures sur Elden Ring. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao.